Dans cette vidéo, on vous invite à cliquer sur Commencer et aller choisir le programme Action où on voit la sauterelle à droite. Alors, première des choses, on regarde à droite, on nous dit d'assembler un hub, deux moteurs et une pile de briques. Je vous rappelle qu'une pile de briques, c'est en réalité un programme, c'est une pile de blocs que nous on appelle un programme. Alors, première des choses, il faut aller construire notre sauterelle. Alors, en cliquant sur le mot construire ici au centre, vous allez avoir pas à pas mettre la pile dans le hub, le tourner de bord, quel bloc ajouter pour faire les yeux, etc. Alors, vous allez avoir toutes les séries, les étapes du montage. Lorsque ça sera fait, vous allez être invité à revenir ici et aller maintenant avec le poursuivre, étape suivante, avec la flèche de droite, et vous allez voir apparaître donc le programme. Vous avez donc, si on essaie d'analyser un petit peu la pile de briques, alors on a ici, au lancement du programme, on a que les moteurs E et F se mettront en action. Alors, c'est important de vérifier dans votre hub, est-ce que vos fils sont bien branchés à E et à F? Si ce n'était pas le cas, on le voit bien ici, on pourrait changer les fils d'endroit ou changer quel moteur, quelle part on veut envoyer l'information. Par la suite, on définit la vitesse. Encore là, on invitera les élèves à modifier pour voir quel changement ça fera sur la sauterelle. Et par la suite, ici, on a nos moyens de se déplacer, soit dans la direction, soit le temps. On peut y aller soit en nombre de secondes, on pourrait y aller aussi avec une mesure en centimètres, en pouces, en rotation, en degrés. Donc, le menu déroulant nous invite donc à choisir pendant combien de temps ou sur quelle distance on sera déplacé. Alors, lorsqu'on est prêt, on va tout simplement faire jouer avec la flèche jaune et on va entendre notre hub s'ouvrir et on va voir notre petite sauterelle se déplacer. Alors, je vous souhaite une bonne exploration.